ce que je peux te dire, c'est que moi, j'étais infirmier libéral. J'ai fait le tour avec tous les gens, tous les retraités, tout ça, machin, les personnes âgées, gars. Gars, c'est chaud, gars. C'est tout. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre. C'est limite, c'est galère. C'est pas la fête du slip. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien peur la fois, n'hésitez pas à t'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et c'est Jonathan, j'ai l'idée de la chaîne Sport DTR. Hein, passez à l'action pour savoir deux choses que je te propose. Mon étude de cas, c'est gratuit. Je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Arrête de chialer, arrête de crier à l'arnaque. Regarde, ça c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing. Ça c'est pas gratuit, les gars. Je te montre toutes ces stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, plus tous les bonus complémentaires sur investir dans l'immobilier, investir dans les startups, investir dans la crypto-monnaie, investir dans quoi d'autre, e-commerce aussi, tout ça c'est des experts, c'est pas moi qui en parle. En plus de pirate marketing, tu as ça en plus pour que tu puisses savoir investir. En gros, je voulais t'apporter un maximum de valeur. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone. Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, ou tu prends un rendez-vous, tout simplement, tu prends un rendez-vous. En plus, ils sont formés sous business, donc tu pourras vraiment poser toutes tes questions et voir si jamais vraiment pirate marketing, ça peut te correspondre aussi, tu vois. Donc ça, c'est important parce qu'il faut vraiment choisir un truc et rester focus. Bref, en tout cas, pas d'excuses les gars, j'ai redit avril de 91, j'ai redonné mon BP trop technique. Arrêtez de chialer, hein, si tu fais rien, il va rien se passer. Et si tu fais quelque chose, ça prendra du temps. Donc choisis, hein, choisis. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc les gars, toujours dans le concept de on sort de la salle de sport et on partage un petit peu ses pensées. Voilà. C'est au freestyle les gars, la vidéo n'est pas préparée. Toi en vérité ça change rien pour toi. Tu te dis bah c'est pareil, c'est une vidéo. Pour moi ça change tout. Parce que du coup en fait j'ai rien à préparer. Je dis juste ce que je pense. Donc là je vais parler d'un sujet qui je pense où beaucoup de gens seront sensibles. Hein, et qui vont être énervés. Calmez-vous les gars. Ouais donc du coup. Je voulais parler de la réforme des retraites. Faut qu'on soit honnête entre nous les gars. Faut qu'on soit honnête, ok? Je pense que tout le monde est au courant. Le système des retraites, on est arrivé au bout. Ça ne fonctionnera pas si jamais on le laisse comme ça. C'est, voilà, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, oui ou non? Dis-moi en commentaire, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, ok? Donc, on est d'accord. Maintenant les gars, ils veulent essayer de repousser l'âge de la retraite pour que le système puisse continuer à fonctionner. Parce que sinon, il va pas fonctionner. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Okay. Mais là, du coup, les gens, ils sont vénères. Ce que je comprends aussi. Parce qu'ils se disent, oh non, ça me saoule de travailler plus. Tu vois. Le problème, c'est que si tu travailles pas plus, la retraite, de toute façon, les autres qui viendront derrière, toi, ils en auront pas. Donc, ça veut dire tes enfants, etc., etc. Donc après, bon, je comprends le concept aussi de... Est-ce que descendre dans la rue, est-ce que réellement, ça va faire avancer les choses? Est-ce que ça va faire fonctionner les choses? Peut-être, sûrement, tu vois, peut-être le fait de mettre la pression au gouvernement, bah, ils vont prendre l'argent, je sais pas, ils vont dire ok, vas-y, on repousse pas l'âge de la retraite et puis ils vont prendre l'argent ailleurs, tu vois, où on va être plus taxé ou autre chose. Mais dans tous les cas, les gars, ils peuvent pas faire de magie, hein, il faut bien qu'ils sortent l'argent quelque part. Donc bon, peut-être que ça peut fonctionner de descendre dans la rue, mais bon, c'est pour déshabiller Pierre, pour habiller Jacques, je vois pas trop l'intérêt. Mais là où moi vraiment ce qui me marque, je comprends que les gens ils soient vénères et qu'ils ne veulent pas travailler plus, etc., etc. Mais moi mon souci que j'ai en fait, c'est que ça montre trop un manque de responsabilité en fait. C'est ça qui me gêne en fait. C'est réellement ça qui me gêne. Tu sais que c'est chaud. Pourquoi tu veux absolument faire confiance au gouvernement? Tu vois? Pourquoi tu veux absolument faire confiance au gouvernement pour ta retraite? Et moi je trouve que c'est chaud quand même. Je préfère gérer par moi-même tout ce qui est mon avenir, je préfère le gérer, tu vois. Mais là, tu es en train de faire confiance, tu es vénère, tu descends dans la rue, tout ça. Ouais, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Ouais, les gars, ils vont dire, mais... Après, même ça, tu m'as dit, vous, crédibilité. C'est normal, les élites, ils nous prennent pour des teubés, tu vois. Ils disent, les gars, regardez, là, si jamais on continue comme ça, le système de retraite, ça fonctionnera plus. Et les gens, ils descendent, ils disent, non, comment ça? Tu vois, à un moment donné, on est obligé de...
faut aussi qu'on prenne conscience. Après, peut-être que ça j'avoue, non, je pense que c'est une culture française. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que, ben, à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices si on veut que le système continue à tourner. Tu vois, bon, ça, c'est si jamais je partais dans le sens réfléchir par rapport à ça. Mais moi, je pars du principe de, gars, si jamais tu veux améliorer ta vie, compte sur toi-même. Commence à investir dès maintenant, même si tu as 30, 40. Même si tu as 40, tu as encore 20 ans pour pouvoir préparer ta retraite. Si tu fais les bons investissements, en 5 ans, tu peux être libre. Tu peux générer beaucoup plus de cash. Commence à mettre de l'argent de côté, investir même passivement. Si tu veux juste investir en bourse, par exemple, long terme, au moins tu es bien. Tu seras mieux que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu seras mieux si jamais tu es intelligent financièrement et que tu te bouges et que tu ne crées pas à l'arnaque dès qu'il faut acheter une formation en ligne. Tu te formes sur comment investir. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Tu te formes, je me suis toujours formé. Quand je connais pas quelque chose, j'apprends et tout. Pour le sport de combat, ben, je vais voir un prof. Jiu-jitsu, brésilien, pareil. Krav Maga, pareil. Saxophone, ben, je suis allé voir quelqu'un qui m'a appris. Salsa, je suis allé voir quelqu'un qui m'a appris. Business, je suis allé voir quelqu'un qui m'a appris. Investissement, je suis allé voir quelqu'un qui m'a appris. Enfin, j'achète souvent plus des formations en ligne. Donc, à un moment donné, moi, dans ma tête, en fait, j'ai du mal à comprendre. En fait. Je comprends la frustration de genre, je veux pas travailler plus et je suis vénère. Et du coup, je l'extériorise genre en mode, je descends dans la rue, je suis vénère. Je comprends ça. Mais en fait, je pense que c'est pas la meilleure solution en fait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont émotionnels là-dessus, ils vont être vénères. Ah ouais, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, nanani, le gouvernement, il nous prête pour des pigeons. Bah, je préfère récupérer ma liberté et me débrouiller tout seul. Tu vois, je préfère par exemple, au mieux de cotiser même pour la retraite, donnez-moi mon argent, je vais moi-même le faire fructifier, je vais moi-même m'organiser pour pouvoir avoir ma propre retraite. Et ouais, c'est ce que je voulais dire. Et si tu fais les choses bien, ta retraite sera beaucoup plus élevée que si jamais c'est le gouvernement qui s'en occupe. C'est quoi la retraite réellement là? Combien il te reste? 80%, c'est ça? Je sais même pas, c'est combien il te reste? Je sais même pas exactement. Tout ce que je sais, moi, c'est que, gars, j'étais infirmier libéral. Je sais pas c'est combien exactement qu'il te reste. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'étais infirmier libéral. J'ai fait le tour avec tous les gens, tous les retraités, tout ça, machin, les personnes âgées, gars. Gars, c'est chaud, gars. C'est tout. Ils ont pas suffisamment d'argent pour vivre, c'est limite, c'est galère, c'est pas la fête du slip. Alors que si jamais tu t'organises bien, tu t'investis, gars, en 10 ans où tu bosses, tu crées ton business en ligne et que tu investis, mais gars, là, ta retraite, tu la crées genre en mode... Enfin, ça n'a rien à voir, gars. C'est toi qui t'arrêtes quand tu veux, mais t'as au minimum, allez, si jamais vraiment tu veux pas te fouler trop, au minimum 3000 euros. Et franchement, je suis gentil, les gars. Ouh! Est tombé. Donc bref, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Calme-toi aussi au niveau des émotions. Essaye d'avoir prendre un temps de recul, réfléchir et essayer d'être rationnel aussi. Parce qu'au final, c'est ta vie. Hein. C'est à toi d'en décider ce que tu vas en faire. Hein. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, bah, t'as tout en description, tu sais déjà. Le type de cas, si jamais tu connais vraiment rien au business, même si tu connais, hein, c'est gratuit, donc profites-en. Et Pirate Marketing, bon, ça si jamais tu veux te lancer et vraiment passer à l'action, peut-être ça tu me connais déjà, ça veut dire si jamais tu veux ça. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je vais être au camp.